habiller rose. Tu sais ce que je vais faire ce soir? Oh là là, tu vas être dégoûtée. Je vais aller à la foire avec mes amis. Quelle la foire qui est arrivée. Je suis trop con. Lily Rose, t'es où? Oh, je voulais qu'elle soit jalouse de moi. En même temps, je suis tellement content d'aller à la foire. Où est-ce qu'elle est passée? Lily Rose, Théo. C'est bizarre qu'elle soit partie comme ça. Bon, c'est pas grave. De toute façon, mes amis m'attendent pour aller à la foire. Allez, hop. Ah, oh, faut qu'elle arrête de ranger ses affaires comme ça. À chaque fois que je crois que c'est un prank. Ah. Quoi? Il reste que 20 euros? Mais j'avais mis tout mon argent de poche dans le coffre-fort. Elle a dû trouver le code. Et en plus, qu'est-ce qu'il fait dans sa chambre? Je l'avais caché. C'est pas... Et c'est quoi ça? Désolé Esteban, je suis parti à la foire, youhou, la bise. C'est une blague. Elle est partie à la foire. Ah. Elle a dû prendre tout l'argent de poche pour partir à la foire avec ses copines. Je vais prévenir Peppa Pink et quand elle va revenir, ça va pas se passer comme elle le voudra. Ça va, Esteban? Tout se passe bien? Est-ce que ça a l'air d'aller? Il y a Lily Rose qui a piqué tout l'argent de poche du coffre-fort pour partir à la foire avec ses amis, alors que je voulais faire exactement la même chose. Je suis sûr qu'elle a fait exprès. Bah, tu sais quoi? Je vais y aller quand même à la foire. Et si je la croise, je vais lui faire un sacré prank, crois-moi. Et je vais tout récupérer. Bah, attends-moi, Esteban, moi aussi, je vais aller à la foire. Bon les amis, c'est bon, il y a du vent, désolé, on est à la foire. Regardez, elle est juste là. Je me suis dépêché là, parce que je suis, honnêtement, je suis prêt à tout là. Si on trouve Lily Rose, même si à ses copines, on a préparé un prank avec Peppa Pink. Elle est partie sans prévenir. Elle est pas prête, parce qu'elle est partie sans prévenir de la maison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la musique de Lily Rose à fond. Si on la voit, on met sa musique à fond, alors qu'il y a ses copines, elle aime pas ça du tout. Donc on fait ça, on l'attrape et on l'emmène directement à la maison. On lui met la honte devant ses copines, parce qu'il n'y a pas à faire ça, quoi. Bon, c'est bon, on est carrément rentré dans la foire. On la cherche de tous les côtés, impossible de la trouver. En même temps, la foire vient d'ouvrir il y a 2-3 jours, donc c'est blindé de monde. Les amis, on a eu une idée de fou furieux. Là, on a eu l'idée, je pense qu'on va la retrouver en 30 secondes, donc restez bien sur la vidéo, enfin 30 secondes, peut-être une minute quand même. En gros, il y a la grande roue parce que c'est la grande foire de septembre. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va faire un tour de grande roue avec Peppa Pink. Et de là-haut, on risque et de là-haut, comme c'est le manège le plus haut de la foire, on va voir toute la foire et à mon avis, on va réussir à la trouver comme ça. Merci. On est dans la grande roue, ça démarre, regardez. Donc normalement, on est censé la trouver très rapidement. Si on la trouve pas... Je suis pas rassuré, moi. Ouais, bah moi non plus, j'ai très peur. Attends, je pense qu'on peut la tourner. Regardez la foire, elle est immense. Ah mais j'ai trop peur. J'ai trop peur. Je savais pas que ça faisait ça la grande roue. J'ai trop peur que ça soit mal attaché. Il y a du vent en plus. Et on s'arrête en plus. Regardez. Ah, mais ça fait trop peur. On voit toute la ville. Le train fantôme. Ah ouais, le train fantôme, il est là-bas. Sur le train fantôme. Le train fantôme, il est là-bas. Non mais elle est pas là-bas, je suis sûr qu'elle est partie manger des churros. En vert aussi là-bas. Ah ouais, c'est peut-être elle aussi. Bon les amis, au moins ça nous aura appris deux choses. Elle est soit à l'endroit où on mange des churros, soit au train fantôme. Je sais pas si vous avez l'habitude de faire des manèges comme ça, mais nous pas du tout. Et franchement, on n'est pas très serein quoi. Bon les amis, regardez, je pense que c'est le moment de descendre, on va nous ouvrir. Ce qui est bien, c'est qu'on a un indice, sur où est Lily Rose. Donc la mission est réussie, on va pouvoir aller la retrouver direct. Vite, on se dépêche. Allez, vite, on sort. On sort. Normalement, les amis, je l'avais vue juste ici, mais on la voit plus. On s'est fait pranker là, à fond par Lily Rose. On l'avait vue juste là, en train d'acheter des
des churros avec son pull vert. Donc on va aller regarder dans les manèges à côté. Elle adore les petits cachous, tout ça, donc elle pourrait très bien être ici. C'est largement possible. En tout cas, on va fouiller un peu la zone. Bon les amis, on l'a vu rentrer dans ce manège là, donc on va essayer d'y aller. Mais le truc c'est qu'on a super peur. Là on prend un risque de fou. On prend un risque de fou en filmant ici parce que j'ai peur que la caméra s'envole. Donc si. Ah, elle est là. Elle est en haut. Restez là, on va la retrouver. Wow. Bon les amis, ça tombe, c'est les derniers instants de cette caméra. Bon allez, on va essayer de filmer. Restez avec nous. Hein. Oh, ça s'arrête, j'espère. Ah, mais c'est le même manège que pour le clip, j'aurais jamais dû monter dedans. Je te suivrai plus. Elle descend du manège. Elle descend du manège. Oh non, on l'a raté. Oh, il en peut plus. J'en peux plus là. Plus jamais, je te suis, c'est vrai. Ouais, le pauvre Peppa Pig qui voulait me suivre dans mes aventures pour retrouver Lily Rose, il savait pas ce qu'il attendait. Hein. Allez, oula, je descends. Bon les amis, c'est bon, on est en train de sortir de la foire. Là, on sait ce qui est en train de se passer. Elle est en train de se moquer de nous. Elle sait très bien qu'on est dans la foire. Elle a dû nous voir ou elle s'en doute. À mon avis, ouais, elle nous a vu. Et puis, elle se doute qu'on est dans la foire. Du coup, elle va aller dans tous les pires manèges. Elle va aller dans tous les manèges à sensation pour qu'on la suive. Et pour qu'on n'en peut plus et qu'on arrête, quoi. Bon, bah les amis, du coup, là, on a quitté le secteur de la foire pour éviter qu'elle nous voie, qu'elle nous entende, étant donné qu'on sait qu'elle nous espionne un peu. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attendre à la maison. On va rentrer en toute discrétion. On va rentrer dans sa chambre, on va éteindre la lumière. On va l'attendre bien sagement. Et dès qu'elle arrive, on met le prank à exécution. Et là, avec Peppa Pig, on a discuté. Confiscation du téléphone. Pas d'argent de poche pendant plusieurs semaines. Parce que là, ça suffit. Là, elle se moque vraiment de nous. Elle a fait plein d'attractions, elle a voulu nous piéger, etc., etc. Elle profite que c'est les vacances. Et puis elle sait très bien qu'on a peur. Elle sait très bien qu'on a peur. Donc elle a voulu nous entraîner dans plein d'attractions. Allez, c'est parti les amis. On va aller dans la chambre de Lily Rose. Tu peux éteindre la lumière. Voilà, parfait. On va se cacher ici. On va attendre. Bah, vas-y, mets-toi en dessous de la couverture. Moi, je vais me mettre derrière la porte, les amis. Et on va juste attendre avec impatience qu'elle débarque. Dès qu'elle débarque, on met le plan à exécution. On va la surprendre. On a pris les canons à confetti, là. Mais elle se prend et les canons à serpentin collant. Hop, je vais me mettre ici. Et c'est parti. On se retrouve quand elle rentre. J'espère qu'on va pas attendre 2 heures non plus. De toute façon, là, la foire est censée fermer dans 1h30, quelque chose comme ça. Donc, J'espère qu'elle est passée chez ses copines. Hein. Ouais, j'espère aussi. Bon, là, les amis, ça fait 1 heure qu'on attend. J'en ai marre. Ouais, non, mais moi aussi. Non, mais je crois qu'elle est partie dormir chez sa copine. Ouais, moi aussi. Ou chez une de ses copines, je sais pas ce qu'elle fait. Mais on est bête, ouais. On aurait dû l'appeler. Mais non, ça sert à rien de l'appeler. Il fallait pas qu'elle le sache. Bon, attends, vas-y. Bon, on arrête le plan. Ouais, non, tant pis, on lui fera un prank demain. Où on prépare un vrai truc, mais les amis, on va pas attendre comme ça pendant des heures. On espère que ça vous a plu, malgré le fait qu'on n'ait pas retrouvé Lily Rose, mais que ça vous a fait rire de nous voir en PLS dans les manèges à la foire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche. Et surtout, cliquez sur la vidéo qui apparaît ou allez voir une autre vidéo sur cette chaîne. Ça nous fera plaisir. À la prochaine, bye bye.